Yo tout le monde, c'est Ranor et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Oblivion. Alors je suis actuellement en ville, hein, je me suis TP directement depuis la dernière session. J'ai profité aussi pour faire un petit détour par le temple de, par le temple des lames pour vider mon inventaire de tous les composants alchimiques. Hein, donc voilà, je suis redevenu avec un poids relativement stable. Et donc on va pouvoir prendre une mission. Donc voilà, vous remarquerez que je vais d'abord dans la ville que j'aime le moins pour prendre une mission parce que j'aime toujours faire les choses nulles en premier. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais les trucs que je juge les plus désagréables en premier. Comme ça, je garde le meilleur pour la fin, si je puis dire. Donc, on va faire une quête à Randville. Je pense qu'il en a une à me proposer, Billy. Tu as une quête à me proposer, n'est-ce pas? Vous êtes encore ici pour du travail, c'est ça? Ah! J'ai un dernier contrat pour vous. Tout d'abord, quelques mauvaises nouvelles. Ah! Aurain a parlé à Vilena de votre dernière mission. Elle n'a pas bien pris la nouvelle. Ah! Aurain a été banni. Et je suis désolé, mais je dois vous rétrograder au rang de défendeur. Ah. Tout ira bien, cependant. Progression? Écoutez, je ne peux pas vous offrir de promotion. Pas maintenant. Comment ça, j'ai été rétrogradé? Défendeur? Les grades là-dedans, ça veut plus rien dire. Je sais pas si c'est des problèmes de traduction ou pas, j'ai l'impression que c'est 5 fois le même grade avec des noms différents, parfois il y a 2 fois les mêmes qui reviennent. Bon, bref, ça veut rien dire. Il ne me reste qu'une mission à vous confier, mais elle est importante. La pierre de Sainte-Alessia a été dérobée dans la chapelle de Bruma. Ah bah une mission à Bruma, c'est cool. La pierre de Sainte-Alessia. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais ici notre foi est grande et la pierre est très importante. Allez parler à Siroc à Bruma. Il vous donnera tous les détails nécessaires. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Bruma en plus. Allons voir la pierre de Sainte-Alessia. Donc du coup le mec qui me donne les ordres a été banni. Moi j'étais rétrogradé. Bon en soi vaut mieux être rétrogradé que banni. D'ailleurs je sais même pas vraiment ce que ça fait rétrograde étant donné que j'ai tout, y a toujours quand même des gens qui me donnent des ordres hein, peu importe ce qui se passe, il y a toujours des gens qui me donnent des ordres. Et deuxième point, ma paye est la même. Alors c'est honteux, c'est lamentable, mais c'est comme ça. Hop. Attends, on va aller à cette porte là plutôt. Et j'aimerais bien aussi acheter quelques roses rouges parce que là les langues de dragon on a fait le tour. Mais en ce qui concerne les roses, et ben on est toujours dans la merde. Donc ce serait pas mal d'en avoir une ou deux, tiens. Je traîne. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. Un bouclier de meur. Ah non mais lui aussi il vend des trucs que j'ai déjà vendus. Putain j'ai oublié de ramasser les marteaux dans la guide des guerriers. Pardon. Il y a une guide des guerriers à côté justement. On va pouvoir en profiter pour récupérer des marteaux. Hop. Alors, il est où le coffre? Les boucliers cérémoniels, gants cérémoniels, reliques de masse. Ces petits salauds, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Celui-là? Ouais, c'est ça. Vas-y, on prend les 5 marteaux. Pour régénération des associés. Voilà. Bonjour. Bonjour. Quoi qu'on entreprenne. C'est vraiment des clodos, hein. Je suis un entraîneur de la guilde des guerriers. Quelle est votre compétence en lame? Bon bah je suis juste un apprenti, mais ça m'empêche pas de pouvoir entraîner les gens, hein. Y a pas de... Je vous sens bien méprisant à mon égard. Oui. Alors. C'est quoi l'autre là-bas? On va aller voir les deux. Il faut des pétales de rose. J'espère pour... Que puis-je vous offrir? Non. Oui. Non plus. Au revoir. Il y a quelqu'un qui vend des vraies choses ici ou il y a que des connards? J'espère. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends de la merde en vous fait. Aussi. Si t'es un connard. Je vends des fourchettes, des assiettes, voilà. Vous vous rendez compte un peu la tristitude du gars? Poursuivez. Tu vends quoi, toi? Il n'y a que des articles de qualité ici. Des pantalons et des chaussettes. Des articles. Ouais, d'accord. Bonjour. Et toi? Faisons affaire. Bélier de Dondoran. Fortification force, fortification endurance. C'est pas mal, hein. Vous remarquez qu'il vend enfin des trucs d'Wemmer, lui. Ça m'étonnerait que ce soit un qui lui ait vendu. Ça met le temps, mais... Vous êtes attentif, vous apprendrez beaucoup. Au revoir.
Bon, bah, y a personne qui vend des pétales de roses. Enfin, des roses rouges. On vous a dit, je disais, vous remarquez que ça met le temps, mais enfin, les mecs vendent des trucs, tu vois. Deuxième auberge. Auberge de la vue de Gérald. En vrai, j'aime bien Bruma, mais j'explorais jamais cette ligne de bâtiment là-haut. J'allais au guild, au forgeron du fond et à cette auberge en bas. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est, les autres bâtiments, c'est des marchands aussi, ça doit être des maisons. Mais cette ligne de bâtiment là, jamais. Hop. Alors, on va faire une petite prière, hein, puisqu'on passe par l'auberge. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ? En tant que paladine. Raconte que des syndicats de... Hop. Sorciers ont mené un... 5 minutes de buff, hein, finalement. 5 minutes, c'est pas non plus transcendant, mais c'est toujours ça. Hop. Hop. Et hop. Et un petit coup ici. Voilà. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Vous devez faire partie de la guilde des guerriers. Nous apprécions votre aide. Eh ben, moi j'apprécie ma paye. Prophète. L'église est toujours sous le choc de l'attaque contre la chapelle de Dieu. Je ne crois pas que qui que ce soit ait eu le temps de réellement étudier les enseignements de ce prophète. Je pense que le mieux est d'... Ouais. Vous avez beaucoup entraînement guérison. Dans le formateur apprenti. Pouf. Pierre de Saint-Alessia. On dit que la pierre fut bénie par Alessia elle-même. Et que tant qu'elle est en notre possession, notre église ne craint rien. Et maintenant qu'on l'a plus... La relique nous a été dérobée. Ça y est, il va m'arriver un truc. On a vu un groupe d'hommes quitter la chapelle la nuit où la pierre a été volée. Nous pensons qu'il s'agissait de bandits. Ok. On dit que la pierre... Bandit. Apparemment, ils étaient 4 ou 5 et ils suivaient la route vers l'est. Je vous en prie. Des bandits vers l'est. Bon, très bien. Allons-y. Louis. Oui, soit Ketosh. Invocation. Invocation, c'est aussi un truc qui me botte bien, mais. Bon, l'est. Oh, bah, ils sont juste à côté, les gars. Ils sont juste à côté. J'ai plus de cheval depuis que un plomb, moi. Il est mort, mon cheval. Pourquoi ils sont pas considérés comme volés, je ne sais pas. Bon, peu importe, il a dû mourir ou être paumé quelque part ou doit retourner au prieuré de Waynon, je pense. C'est pas grave, on va avancer sans cheval. De toute façon, les chevaux dans Elder Scrolls, sont... ouais, à part dans Skyrim où tu peux escalader des montagnes avec. Une mine abandonnée, vous pensez qu'ils sont dans la mine? C'est complètement con de voler une pierre aussi légendaire que ça à Bruma et se cacher à 20 mètres dans une grotte. Surtout quand les gens ils ont vu dans quelle direction t'es parti. Mais encore une fois, l'écriture des quêtes, tout ça. Hop. Ce qui est con également, c'est de. Bah. Tu m'attaques pas. Ce qui est con également, c'est de contacter une guilde des guerriers, mais contacter une guilde des guerriers qui est à l'autre bout du monde alors que t'en as une dans ta ville. Je devine que c'est vous qu'on envoie nous retrouver. Cette satanée pierre ne valait pas tous ses efforts. Vas-y, la pierre. Nous l'avons volée, je ne vous le cacherai pas. Je suis le dernier survivant. Ah, d'accord. D'accord, on a volé la pierre, mais on n'était pas les derniers à la voler. Nous avons été attaqués par toute une bande d'ogres. Des ogres amateurs de pierres précieuses, apparemment. Je suis le seul survivant. Si vous voulez la pierre, un seul mot, c'est d'or. D'accord. Pierre de Saint-Alessia. Je vous ai dit. C'est d'or. Je n'ai pas loin d'ici. Je vais marquer l'endroit sur. Voilà. Bon, bah écoute. Poursuivez, je m'en moque. Le mec, il nous donne des infos et tout. On va pas le. Ah, oui, d'accord. Ah, ils se sont fait attaquer par des trolls qui venaient de là. Ah, je peux déjà m'y TP. Très bien. Bon, les ogres venaient de loin, du coup. Hein. Oh, la belle vue ici. Oula. Oh, la belle vue ici furent ses derniers mots. La vue est tellement belle qu'elle m'a fait cracher, c'est fou. Hein. Ah putain, je vous jure. Les jeux maudits. L'instabilité à son paroxysme. Alors, je peux vous mentir, ça fait déjà 2 fois que je crache. Ah bah d'accord, on va plus à tour impériale.
Il y a la tour qui a disparu, très bien. Attendre un peu. Ok, bon. Il y a une pierre par contre. Bruit de texture de la tour impériale. C'est très étrange parce que je me souvenais pas. J'ai pas eu l'impression que tout à l'heure il y avait un bug de texture. En tout cas, la vision est très belle, hein. Si on oublie la tour impériale. Évidemment. Vas-y, on va prendre la pierre. Hop. Juste ici. Ah! Ouais, c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Bon, bah écoutez. Là, ça n'a pas crash, mais il y a un petit bug de texture. Bon, on va aller s'occuper des ogres. Hop, je me balade un petit peu, mais occupons-nous des ogres. Enfin, d'ailleurs, des ogres, je suis en train de me dire occupons-nous des ogres, mais c'est vachement dur ça, les ogres, non? C'est pas trop dur pour moi? Mais enfin, comment va se dérouler cette mission? La musique est en bug complet. Bon. Peut-être qu'en sortant de la tour, la tour sera mieux, plus belle. Ouais. Allez, zou. Hop. Non. Ça. Trouvons des ogres amateurs de pierres précieuses. Ah oui, merde. Ouais. Faut vraiment que je fasse cette sataniquette. Ça devient urgent, les petits potes. Après tout, il y a peut-être que 2 ou 3 ogres. Hein? Oh, il m'a fait peur. C'est des ogres sauvages, c'est peut-être une version moins. Oh putain, tanky, j'allais dire des ogres. Oh là 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 là. Pim. Non, c'est pas moins tanky. À partir du moment où il y en aura 2, je vais commencer à en chier ma race. Putain. Please, pas taper. Laissez-moi en vie. Ah putain, mais. Regarde magie, regarde magie. Regarde magie. Hop. Saloperie. Meurs, chacalou. Hop. Putain. L'âme talent accru, ouais ouais super ouais. Tu. Hein, on en reparle plus tard. T'es mignon. Cette mission va s'annoncer très compliquée, je pense. Cette mission va s'annoncer très très compliquée. Pas où c'est ça, c'est un. Juste un truc avec des coffres. Et des pierres, c'est très bien. Hop. Des pierres de Wellkid. 50 pièces d'or pour 1 kilo. C'est tout à fait raisonnable, hein. On va pas s'en plaindre. C'est tout à fait respectable comme valeur. Bon, continuons d'avancer. Dans la joie et la bonne humeur. Et la plus absolue, bien évidemment. Ah! Ouais. On va avancer, reculer. Quand j'avance. Putain, hop. Toi, tu recules.
comment veux-tu que... Blablabla, je t'enlève ton pull. Bon. Aïe. Même avancer, reculer, on prend des sacrés tatanes, hein. Hop. Hop. Allez. Meurs, chacal, blablabla. Chacalablabla. Chacalabla. Aïe. Pourquoi ça fait tudut? Ah bah c'est bon, je peux level up. Bon bah c'est bon, merci. C'était cool. Bonne journée. Aïe, alors saut là, chaque fois. Aïe. Putain, je prends tellement tarif à chaque fois qu'ils me mettent une tarte. Pardon. Voilà, moins un. Putain, mais cet enchaînement. Ah, mais les coups de poing. Ah là 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 là. Hop. Oh, mais pitié, arrête de fermer de casser ma garde. Ah, vite, le soin. Un deuxième. Hop. Putain. Saloperie d'ogre. Bon, j'ai pas cramé de potion, hein. J'aurais peut-être pu en cramer une ou deux. Ah, bordel. Tu m'étonnes que le bandit il dise ah je suis le seul survivant. Bah ouais ouais bah ouais clairement ouais. Rika et Leïd. Casque de Wemmer. Bon bah commence à trouver assez rapidement, assez souvent des items de Wemmer finalement. Je suis en train de me dire, entre les marchands et les trucs, j'ai l'impression que l'armure de Wemmer est devenue une armure classique. Donc je suis en retard sur mon temps. Malheureusement pour moi. Est-ce que c'est du gaz toxique ou juste une fumée verte un peu genre brouillard sombre et obscur? Qu'est-ce qui est vert là? Ah oui, c'est le truc qui éclaire là. Un petit banc en pierre, voilà, si on veut se poser tranquille. Ah. Il y a un ogre là-bas. On va à l'agro de là. On va commencer à l'entamer un peu. Hop. Hop. Ah mais c'est le coup sauté là à chaque fois. Même si je suis loin il me touche quand même. Faut que je sois suffisamment loin. Ah. Ah. Les deux patates. Hein, c'est pas ça. C'est pas ça. Enfin si c'était ça aussi mais. Voilà comme ça on met bouclier. C'est vrai faut que je lance plus souvent le sort de bouclier. Ça dure 30 secondes. Ça réduit les dégâts subis, je sais pas combien exactement, mais ça les réduit, ça c'est cool. Il y en a un autre là-bas, je l'ai vu. Hop. Bon. Bon. La situation est sous contrôle. Rentrez chez vous. Voilà, faut réparer le stuff de temps en temps. Hop. Coucou Billy. Voilà, je me dis qu'on pourrait peut-être discuter, toi et moi. En vrai, si j'arrive à... Je pense que prochain épisode...
je vais tenter le... Hop. Je vais tenter la grotte. J'avais dit que c'était après mon prochain set d'armure tellement c'est dur, mais... Là, les ogres, bon, même si je prends tellement cher... Vous voyez, je gère quand même. Même en prenant tarif, hein. Après, je dis pas que je vais pas mourir dans la mission. Enfin, mon épée, elle est couverte de sang. Ça m'étonne qu'elle coupe encore. C'est limite, elle glisse maintenant. Hop. Je plaisante, évidemment. Évidemment qu'elle coupe encore. Je sais comment fonctionne le concept d'une épée. Hop. On tourne en rond pour les loot, hein. C'est bien que ce n'est pas par là que la quête veut me faire aller. Ah, d'accord. Voilà. Donc, de ce côté-là, le coffre, c'est bon. On va redescendre. On va fouiller d'abord tout ce côté-là, avant de fouiller l'autre. Hop, là. Ouais, là. Ok. Allez. Mais j'étais loin là. J'étais loin. Il faut une plus grosse armure. Donnez-moi de l'ébonite. Ou du Dédric. Je suis plutôt quelqu'un qui accepte tout genre de compromis. Putain. Hop. Hop. Ah. Aïe. Putain, mais arrête de casser ma garde, pitié quoi. Oh là 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 là. Le nombre de mobs qui cassent ma garde est hallucinant. Mais oh, pourquoi tu prends pas un bouclier? Mais alors déjà, je t'emmerde, hein, voilà. Toi qui me poses cette question. Et ensuite, je fais ce que je veux. Pardon. Bah c'est tout, en fait, il n'y avait rien ici à part un... Il y avait juste un ogre. Finalement. S'il n'y a rien d'autre. Si c'est un ogre, si c'est marre. Il n'y a pas de loot, il n'y a rien. J'ai l'impression de m'être fait un peu enculer sur ce coup-là. Non? Un peu, hein? Un peu, il y a un peu de ça, ouais. Bon. Fouillons l'autre côté. Il y a peut-être plus de choses. Plus de loot. Plus d'argent. Plus de pouvoir. Ouais, ouais, voilà, plus de tout ce qu'il dit, là. Putain, je suis tellement lent. Voilà, et là, je suis plus rapide. C'est fou. Le poids porté influe sur le poids que... Bref. C'est fou. Voilà. Ah. Très bien. Faut que je repasse par l'autre côté pour accéder à l'escalier sur ce côté-là. Incroyable. Bonjour. Hop. C'est marrant parce que le début ça se passe toujours bien. Et puis il se passe un moment où ça se passe beaucoup plus mal d'un coup. Je sais pas ce qui se passe pendant cette transition. Hop. En fait je prends une baffe et je voilà et je suis déstabilisé. Et j'en prends une deuxième. Laisse-moi tranquille, nanogre. Ou je t'oxyrai comme j'ai oxy des compagnons. Non, c'est pas vrai, je t'oxyrai dans tous les cas, que tu me laisses tranquille ou pas. Parce que moi, la vie et l'indépendance des ogres, bah j'en ai pas grand chose à carrer déjà. Moi, ce que je veux, c'est tes dents, hein, qui coûtent quand même un certain prix. Et en plus de tes dents, je veux bien la pierre. Voilà, 3 kilos, bon, c'est lourd, mais 75$, ça c'est cool. Parce que l'argent, c'est bien. Retenez bien ça, hein. S'il y a un truc qu'il faut retenir du let's play, c'est ça. L'argent, c'est bien.
Je compte sur vous. Ok, un de plus ici. Donc ça veut dire qu'il reste un petit chemin sur... Attends, si, il y a un truc là. Un bouton sur lequel appuyer pour ouvrir cette porte. Ok, curieux. Est-ce qu'il faut... Alors, où est-ce qu'il est le bouton précisément? Voilà. Je vois rien ici. Il doit être par là, je pense. Il est là, là-haut. Alors attendez, avant toute chose, j'aimerais bien repartir, hop, par là-bas, voir ce qu'il y avait là-bas. Donc il nous reste ensuite le fameux mystère du bouton à éclaircir. Est-ce qu'il faut appuyer dessus ou est-ce que... Non, je crois pas qu'il faut tirer avec une flèche dessus, ça marche. C'est que dans Dark Souls ça que ça marche. Je crois pas que ça marche dans Oblivion. À mon avis, il faut obligatoirement interagir avec. C'est même quasiment sûr. Hop, et par là-haut du coup. On a un coffre moyen. Et c'est tout. Très bien. Allons-y. Ah oui, merde. Allons-y. Putain. Ah, je suis même passé avant un crochetage. C'est fou. Comme quoi. Voilà, bon. Ouais, super. 5 pièces à élite, bon. Le plus important étant bien sûr le vent en crochetage. Hein. Le reste, c'est du détail. Ok. Bon, bah, il nous reste plus qu'à aller tout droit. Parce que c'est le seul chemin restant, de toute façon. Alors là, attends, non, c'est... Non, c'est là. Là, il y a un bouton. On va tenter de flécher l'arc. J'ai pas d'arc, si. Non, j'ai pas d'arc. Je n'ai qu'une arme. De toute façon, l'arc ne marcherait pas. Voilà, et donc ça a dû activer le truc sur le côté, je pense. Hop, à mon avis, le truc. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Hop. Mince. Je me mélange dans mes sorts, voilà. Je pense que ça. Altération accrue, très bien. Ça a dû ouvrir cette dalle là, oui, c'est exactement ça. Ce qui permet du coup. Alors là, ça a l'air d'être une porte ouverte aussi, j'ai l'impression, non? Non, pas du tout. Ce qui permet du coup d'ouvrir l'autre porte. Non, c'est bien fermé. Ils ont pas pu rentrer là-dedans, les... Comment ils ont fait pour activer ça, les ogres? Putain, ça coûte zéro. Bon, bah, on se barre, écoute. Hein? Mission rondement menée, si je puis dire. Hop. On a tué les ogres, récupéré la pierre... pris un level. Enfin, faut que je dorme, mais pris un level globalement, hein, je pense qu'on peut le dire. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et la prochaine mission, ça sera du coup de la grotte de la marée là. Même si je le sens moyen bof. Elle a repop la tour ou elle est toujours cassée? On va sauvegarder avant parce que il suffit que je regarde et que non, elle est toujours. Elle est toujours pétée. Écoute, c'est pas grave. Attends, on va faire un petit détour. La tour, détour, bref. Non, elle est entière ici, très bien. Je commençais à me demander, merde, est-ce qu'elle est buggée ou... Non, non, ça va. Ça va, ça va. Bon, on va profiter pour regarder un petit peu ce que vendent les... Ouais, putain, évidemment. Hop. Les marchands. Pour le revendre, ma camelote également. C'est un plaisir. Hop. J'offre les meilleurs produits de tous Cyrodiil. Avec casse Dwemer, gant Dwemer, jambière Dwemer. Ils vendent plus que du Dwemer. Hein.
pam 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 pam. Vous ne vous attendez tout de même. Mais pourquoi pas? Il va falloir me. Il y a radin un peu, hein. Vous avez gagné une belle somme. À croire qu'il joue sa vie. Bah, il joue peut-être pas sa vie, mais il joue son métier. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Hein, voilà, on se calme. Je vends la guérison de maladie parce que j'ai déjà deux dès qu'ils coûtent quasiment rien. Excellente transaction. Je les ai fabriqués. Vous avez fait une excellente affaire. J'ai quand même pas mal de potions de guérison. Ça coûte 700 pièces d'or, ça, pour 14 points pour 5 secondes. Alors que moi, j'en ai des beaucoup moins bien. Mais, elle coûte aussi beaucoup moins cher. On va le garder, on va le garder. Dandogre. 322. Bref, ça pèse lourd. Ah, allez, si, vas-y, on voit. Pam, 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 pam. On va vendre aussi les pierres de Wellkid. Excellente transaction. Voilà. Au revoir. Bonjour. Bonjour. J'offre les meilleurs produits de tous. Putain, j'aurais dû lui vendre à lui. Tu me vends 3 marteaux. Voilà. Mais... faut qu'on trouve des roses rouges, donc on Bonne est journée. Là. La carafe dorée. Avant de l'alchimie, je crois. J'ai là. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'une bonne potion. Mieux vaut refaire votre stock pendant que vous le pouvez. Voilà, très bien. Rose rouge, rose rouge, rose rouge. Vous avez la nez. Voilà. C'est un pli. Je suis en train de me rappeler un truc pour les pierres de Wellkid. Je peux pas les vendre aux mecs, aux spécialistes des Dwemers ou je sais pas quoi. Ou des élites, pardon, excusez-moi. Bonjour. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil au prix. On va racheter une pour être sûr. Putain, mais c'est ça le problème de jouer par session, t'oublies les trucs. Pareil pour les pierres de Varla, hein. D'ailleurs, je prends les pierres de Wellkid, mais c'est pareil pour les pierres de Varla. Ah, je suis trop con. Bonjour. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Clémor noble. Elle est meilleure que celle que j'ai, hein. Elle coûte 7300. Ça me paraît un petit peu abusé. Très légèrement, hein. Au revoir. Ok. Toi. Le grand magasin mystique. Tu dois me vendre des trucs. Non. Tout le plaisir. Faisons affaire. Ah, les poussières lumineuses et c'est tout. Si t'as rien d'autre, t'as rien de. D'accord. Et on sort. Faisons affaire. Vulnérabilité, ouverture serrure très facile, œil du crépuscule. Les invocations ça peut être utile, hein, mais j'ai pas assez. Mais. Fini les gants, on s'en bat les couilles. Les bâtons de machin, on s'en bat les couilles. Sort bon marché. Vous voulez apprendre à lancer un sort de boule de feu pour impressionner Bonjour. Vos amis? Venez Il à sort que bon marché. De qualité ici. Que puis-je vous offrir? Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Ça peut être utile, mais bon. Utiliser de la magie pour fortifier sa magie, je trouve ça un peu con. Ah oui, il faut que je level up, c'est vrai, putain. Les bâtons de Rindy, on n'a pas besoin de bâtons, on s'en fout. On va level up, on va level up. Donc on y est. On va faire les autres marchands juste après. Hop, file-moi une chambre, Billy. Que puis-je pour vous? J'ai shooté un prospectus. J'ai bien. Vas-y, vas-y. À l'étage, très bien. Vous aussi. Prospectus qui a viré, qui a volé à l'autre bout du truc, tu sais. Hop. Hop. Voilà, on fait une petite sieste de 1 heure, hein, c'est très bien. Plus 5 on prend et plus 3 on prend, ça c'est sûr. Ensuite, rapidité plus 2, agilité.
Faites-y totale indiscrétion et précision. Armure légère et acrobatie. Ah, l'accroissement de santé, c'est important ça, de monter ça. L'accroissement de santé à chaque level, c'est très important de le monter. Ok. En gros, plus vite on est à 100 en endurance, plus vite on aura une vie maximum élevée. Évidemment, le talent à mettre quasiment à chaque fois. Non. Pardon. Désolé, je me suis trompé de porte. Ça va, ça arrive. Tintin. Tintin. Bonjour. Tout le plaisir. Regardez ce que j'ai à vendre. Clé Mordweaver. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Ben ouais, je vois bien. Les mecs qui commencent à vendre des trucs Dwemer, c'est bien, mais... En fait, si, j'ai l'impression que les marchands... Je disais le dernier coup, j'ai pas l'impression que les marchands, leur stuff évolue. Si, il évolue, mais super lentement. Les trois frères, chez Jensi, comme dessus, en quoi tu vends de la merde, toi? Avez-vous des nouvelles? Il n'y a que des articles de qualité ici. Ouais. Que puis-je vous offrir? À deux ou trois détails près, du coup, mais ouais. Sinon, il y a vraiment de la merde. Hein. Merci. Comme neuf. Oh, je te jure. Et c'est quoi, d'un coup, là-bas, le cheval? La musette, d'accord, c'est deux journaux différents. Bon, et il nous reste le petit magasin d'alchimie sur le côté, là. L'ingrédient principal. Vends-moi des roses rouges. Si vous avez des... Je vends des potions, ainsi que tout le nécessaire pour en préparer soi-même. Qu'est-ce que ce sera? Est-ce que t'as des roses rouges, hein? T'en as une. Ça avance lentement, cette histoire de roses rouges, hein. À bientôt. Ça avance lentement. Ok, faut qu'on aille rendre la quête à... non, faut d'abord qu'on aille à Bruma, et après qu'on rende la quête. Ok, on va rendre la quête. Donc, on va rendre le médaillon, enfin la pierre... Puis, rendre la quête dans un second temps. Pour recevoir ma prime de 300 pièces d'or. Comme on rappelle, on risque sa vie et vous tout. Vous l'avez trouvé? Ouais, ouais, tiens. Ah, vous l'avez trouvé. Je ne vous remercierai jamais assez. Votre travail est très apprécié. Tenez, prenez. J'aimerais vraiment vous dédommager. Vous avez beaucoup à apprendre. Combien il m'a filé en dédommagement? Soyez béni. Trois potions fortes de guérison, ouais. Bon. Poursuivez-je vous. Au revoir. Bah, il me faut un champion en mysticisme. Les neufs. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. Oh, contact. Bah ouais, je prends. Attends. Nous verrons bien. Merci, merde. J'apprécie. Bah je me doute bien, j'ai mis ce clic, connasse. 78. Ah bah les novices, on peut même peut-être du 80 ou 82. Bah oui, voilà. On monte à 84. Guérison de maladie, ouais. Guérison du poison, guérison de paralysie. C'est dommage parce que... Ah, c'est sur la durée, ça. C'est sur la durée. Ah, mais c'est pour quel... Ah oui, non, c'est sur quelqu'un d'autre. C'est un soin sur la durée, ça peut être pratique. Et là, j'ai pas assez de magie, de toute façon. Au moins, on peut soigner les autres, maintenant. Revenez quand... Hop. Donc c'est sympa. Par contre j'aimerais trouver quelqu'un qui me montre le mysticisme. Et la guilde des mages, ils veulent pas vraiment m'aider. Ils sont pas très hein, voilà. Ils sont pas très Charlie, si je puis dire. Oui, alors ok, je me suis fait virer à cause d'un malentendu, mais vous pouvez peut-être m'entraîner un peu en mysticisme. 5 points. Non. Si je demande gentiment. Allez voir Raminus Paul. En attendant. Oui, il va voir Raminus Paulus.
Que ta mère. Pour... Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Alors, question de golem de mithril. Question de golem d'argent. Question de galopin, de dédrotte. Ils ont l'air d'être forts en invocation ici. Ouais. Il fait combien on sort de bouclier, moi? 10% pour 30 secondes. Oui. Et puis-je là, vous t'as montrer quoi la qualité de mes marchandises? 15% pour 35 secondes, vas-y. Je ne peux pas accepter. Quoi? Faites-moi une meilleure offre. Quoi? Mais tu veux me ruiner? C'est parce que je suis viré de la guilde, c'est ça? Ah putain. Mais... Il m'aime beaucoup moins, c'est sûr. On va tout de suite le mettre, le défense du coup. C'était en 7. C'était en 7. Voilà. Dieu. Bon, ça coûte plus, mais ça dure un peu plus longtemps et surtout ça réduit plus les dégâts subis. C'est les dégâts subis. Ah non, non, ça réduit les dégâts tout court. Y a pas un fils de pute qui peut m'entraîner en mysticisme? Enfin. Bon, allez, on va rendre la quête à Anvil. Hop. Voilà. On va aller passer vers les guides des mages vite fait. Voir s'il y a un mec qui peut m'entraîner en mysticisme. Un mec ou une meuf, hein. On n'est pas, hein, on n'est pas des bêtes. On va d'abord attendre que ça ouvre. Évidemment. Même si techniquement c'est toujours ouvert pour moi, étant donné que je fais partie de. Enfin, non, bah non, bah non. Du coup, pas du tout. Vous avez été su. J'espère. Vous avez beaucoup à apprendre. Alchimie, je m'emballais. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir? Je m'emballais. Est-ce que tu vends des roses rouges? Non. À quoi tu sers exactement? Tu ne sais pas, évidemment. Je vous salue. Bonjour. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Attends, sanctuaire de l'Hera, qu'est-ce que tu dis? Il y a un sanctuaire. Voilà. Sparky. Bonjour. Marc, je peux vous enseigner quelques petites choses. Ouais, ça peut être utile. Il n'y a que des articles de qualité ici. Mange santé. Que puis-je vous offrir? Faites toujours en sorte que votre équipement mette. Ouais, vas-y. À bientôt. Combien de charges elle a du coup? Combien de fois je peux utiliser? 18 seulement. Pff. Vous avez été. Oui, non, j'ai fait le tour en fait. D'accord. Y a personne en fait. Vous êtes 3. Mysticisme. Bon, écoutez, tant pis, on cherchera plus tard. Parce que là, l'épisode va arriver à sa fin. Donc, on va quand même rendre la quête. Parce que oui, c'est quand même pour ça qu'on est venu finalement. Rendre la quête. Et puis bah dans un second temps et bah arrêtez l'épisode, écoutez. Salut. Poursuivez. Salut. Et ben salut à toi. Bonjour. Quelle est la situation? C'est bon. Bien joué. Vous avez fait du bon travail pour moi. Ah, j'aimerais en avoir plus à vous donner. La vie est dure en ce moment, comme vous le savez. Voici votre paiement. Me dit-il avec un grand sourire. Quel est le guerrier? Allez voir Burs Groscash à chez. Ok. Je n'ai rien d'autre pour vous, mon ami. Faut qu'on aille voir. Ah, 400 pièces d'or. Alors que j'ai été rétrogradé. Comme quoi, hein, l'errance, ça veut vraiment rien dire. Mais en tout cas, la prime a augmenté. Incroyable. Ah oui, non, c'est moyen. Je l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette. Mais merde, par où on sort? Maison. Et je ne tiens pas à le savoir. À la revoyure. À la revoyure aussi. Bon, on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour notifier en cas de sortie de nouvelles vidéos. À me suivre sur mon compte Twitter. Mon compte Twitch. Incroyable, le talent de cet homme. Mon compte Twitch. À me rejoindre sur mon serveur Discord. Merde. Ah, si j'étais dessus. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour un futur épisode du Let's Play sur Oblivion. Allez,
Salut, salut.